Alors concrètement, Roga Roga, qu'est-ce qui vous fait mal dans la musique congolaise? Bon, l'ingratitude des artistes et musiciens, l'ingratitude des fanatiques, l'ingratitude de tout le monde, parce que bon, aujourd'hui, on n'a pas la chance d'être encouragé. On n'a pas la chance d'être, d'avoir la reconnaissance. On n'a pas la chance d'être aujourd'hui élevé comme nous voulons. Nous avons plus des ingrats dans la musique. Les gens qui ne veulent rien savoir, rien reconnaître, ils sont là, mais ça fait très mal. Quand on apporte quelque chose dans la vie d'une personne et que cette personne n'arrive pas à reconnaître, ça fait très mal. Et ce n'est pas seulement les artistes, hein, y a aussi des fanatiques, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Les musiciens au Congo, nous ne sommes pas nombreux. Mais si nous arrivons quand même à faire face, c'est-à-dire à égayer le public, à donner du plaisir, à donner le plaisir aux mélomanes, ceux qui aiment la bonne musique, ils doivent aussi reconnaître quand même ce qu'on arrive à faire, des efforts. Mais or aujourd'hui, avec l'arrivée de la mondialisation et l'arrivée d'Internet, on a l'impression comme si personne ne reconnaît tout ce qu'on est en train de faire et ça fait très mal. Ça fait très très mal. Nous avons juste besoin des encouragements. Et être encouragé, la reconnaissance, ça nous donne aussi le courage de continuer ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas dans notre, comme tu as su toujours le dire, dans notre communauté et dans notre cité. Cité, ouais. Ouais, exact. Donc c'est un peu ça, quoi.